Hop là. Testons son efficacité avec Silbong avec Javel. Alors, étant donné qu'on est un professionnel de ce genre de jeu, je pense qu'on devrait se mettre en réalisme. Hein. Mais étant donné que si je vais déglinguer tout, vraiment, là je pense que je serai à un point de réalisme incroyable. C'est-à-dire que moi, ayant fait énormément de guerres, notamment sur Adibou, je pense que pour votre plaisir des yeux, vaut mieux que je me mette genre en recrue. Parce que sinon, bah, ce sera pas sympa pour vous de regarder parce que je vais tuer tout le monde en fait. Donc voilà. Mais au cas où quand même, je vais me mettre en commando. Voilà quoi. Hein. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Merci pour les droits d'auteur. Hein. Il nous faut prendre conscience qu'aucun arsenal. Ça fait mal aux yeux, ça. N'est aussi formidable que la volonté et le courage moral des hommes et des femmes. C'est une arme que nos adversaires d'aujourd'hui n'ont pas. Que les choses soient bien claires pour tous les terroristes qui s'en prennent à leurs voisins. Des analystes des renseignements américains pensent que les États-Unis sont déjà en guerre avec l'Union soviétique. Des espions soviétiques vivent-ils parmi nous ? 52 citoyens américains ont été pris en otage à l'ambassade américaine de Téhéran. D'après une source anonyme officielle, je connais cette voix. Un cataclysme de la guerre froide est à nos portes. Ça me dit rien. 1981. Monsieur le Président, nous avons deux noms en lien avec la prise d'otage. Arash Khalifar et Kassim Javadi. L'ordre. C'est les mecs de A Way Out. Il est temps d'envoyer un message. Il n'y aura plus d'otages. C'est les mecs de A Way Out. Ils sont juste déguisés. Ah putain. T'es sûr qu'on peut faire confiance à la police, Adler ? Ce type a fait plus pour moins que ça. Il va fermer les yeux. Adler ? Ravi de vous voir, Hans. Vous connaissez Mason ? On va pouvoir donner l'assaut. Kassim est dans son logement, mais il est bien protégé. Je peux tenir mes hommes hors de la zone pendant un quart d'heure. J'espère que vous avez l'arme. On a ce qu'il faut. C'est un plaisir de traiter avec vous, Hans. Stallone, tu vas te calmer. Hein. Allez, Woods est pressé de s'échauffer. On ne peut pas. C'était la voix de Stallone au début. Ok, c'est parti, on y va. Interroger, neutraliser, Kassim Javadi. Ok, c'est parti, j'y vais. Moi, je vais le neutraliser, mon pote, t'inquiète pas. Là, moi, je suis comme Batman, cherchant son Robin. Oh, je peux en avoir une. Donne-moi. Mason, quoi ? Les petits cadeaux sont dans le coffre. Ah, bah bien sûr. Donc, à l'autre, tu lui donnes. Mais moi, je me démerde. Non, mais c'est toujours pareil, de toute façon. C'est toujours pareil. Ok, d'accord. Sympa, sympatoche. Ouais. C'est quoi ça ? Ouais. Attends, je peux... Non, ok. Et la dernière, c'est quoi ? Oh, alors là, on est sur un petit joujou, là, mais avec... Ouais, allez, vas-y, on va prendre ça. C'est bon, on peut y aller ? Il doit sûrement se croire à l'abri. Ouais, il se croit à l'abri. Un paquet de choses, mais il est sûrement pas à l'abri. Appuyez sur Tab pour afficher votre objectif actuel. Bah, j'ai appuyé sur Tab, mais rien qui s'est affiché. Kassim a des infos, mais les autres, on peut les abattre. Est-ce que vous voulez que je mette les sous-titres ? Bon, on va mettre les sous-titres parce que moi j'ai besoin des sous-titres. Graphisme, c'est peut-être là. Dans audio, je pense. Alors. Micro. Interface peut-être. Sous-titres, voilà. Voilà. L'appartement est droit devant. Allez, Adler. On y va. En avant, mon gars. C'est là ? Ok, surveille vos arrières. Vous savez quoi ? Moi, je reste là. Je surveille vos arrières, d'accord ? Donc, allez-y, moi, je reste là, d'accord ? Allez. Bon, d'accord, j'irai avec vous. Vous insistez.
Bon ça, bonne année. C'est moi de les allumer ? Mais on... ils sont trois ! Je suis tout seul ! Ok, je tue celui-là, je tue celui... Ok les gars, je tue celui au milieu, vous tuez les autres. Allez, let's go. Go, go, go ! Oh, il y a une de roule ! Au secours ! Allongé, hop ! Comment ça, grimpe les escaliers. Quel escalier ? Je vois pas d'escalier. Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain ? Qu'est-ce qu'il y a dans la salle de bain ? Y'a rien dans la salle de bain les gars, c'est bon. C'est bon, y'a rien dans les salles de bain, je vais à l'étage. Je vais à l'étage, je vais à l'étage. On croirait le début de Modern Warfare. Hein. Ah non, faut que je le capture. Reviens ! Oh là, sa mère, appuyez sur eux pour réaliser. Ok. Béton ! J'ai un beau collègue ! Ok, il est mort. Oh, oh, mais je suis mort ! Oh non, c'est le tuto, putain. J'en peux plus. Non, c'est pas vrai, je suis pas mort en fait. C'est une phase importante dans le jeu. Putain, je suis déjà mort, sa mère. Allez. Comme ça, on voit les deux. Non, mais comme ça, en fait, on voit les deux. On voit les deux trucs. J'ai cru que c'était une prostituée, mais non, c'est un mec qui se déplace. Non, mais comment je fais pour mourir à chaque début de jeu, quoi. Mais c'est bon, j'ai compris, mais il y a d'autres mecs qui arrivent. Oh là là, on dirait que j'étais au courant qu'ils étaient là, quoi. Oh, je vois dans le futur ou bien. Il y a un mur. Ah, ah, au secours. Ah, agent blessé. Agent percé au rapport, je vous dis que je suis blessé. Au secours, je suis caché dans des fougères. S'il vous plaît, amenez quelqu'un pour m'aider. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais quoi ? Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi ? Mais j'ai rien fait, gros ! On m'attaque et c'est moi qui meurs ! Allez, c'est bon, j'ai compris. Vous m'avez cherché. Hein. Allez, ça dégage. Personne dans le bâtiment là, c'est peut-être à cause de lui que je meurs. Hop là, ça dégage. Et ouais les gars. Et ouais, moi je suis un malade. Je suis un gueudin. Je suis un vil manon. Oulala. Ok, c'est bon ça. Allez hop, ça dégage. Oula, oula, y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde. Mon arme a 20 ans à charger aussi, il pouvait pas me donner une arme qui se recharge moins vite. Moins lentement. Tire sur qui, gros? Ah bah ouh, ils arrivent même pas à le toucher quoi. Ouais mais si vous embauchez des tocards aussi les gars, si je suis le seul à réussir à tuer les gens bon, moi je m'enfuis. Ah 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 ah. Non non, allez, mayday mayday mayday, il y en a un dans le bâtiment. Tuez-le bordel de merde, tuez-le. C'est impossible ça, moi je peux pas travailler avec des gens qui savent pas tirer sur d'autres. Non mais sans déconner, vous avez eu votre diplôme de l'armée. Ouh là, sans déconner. Hop là, ça, ça dégage. Oh, c'est à moi de sauter. Mayday, mayday. Hop là, allez hop, ça dégage. Tu fais quoi toi? Oh la patate qu'il lui a mis. Oh, c'est vrai. Oh toi, tu vas prendre cher mon pote, tu vas en parler. Dis-moi où est-ce qu'il se trouve. Où est le blanc de poulet? Je sais que t'as caché le blanc de poulet. Ah merde, Arrache. Dis-nous où est Arrache. Je m'occupe que de l'argent. Je sais pas du tout où est Arrache. Je comprends mal la situation. Oh, je crois que t'as... Tu vois, si tu nous dis pas où est le blanc de poulet, tu vas finir comme ton pote. Des lois. T'as pris des otages. Ça change tout. Oh, ton mon pote, t'es un homme mort. Si tu parles non, pas, tu tombes. Non, il est en Turquie. Il est à rendez-vous à l'aérodrome de Trabzon demain soir. Oh merde. Non mais moi je... Mais non mais moi j'ai cru qu'il allait le pousser mais genre un tout petit peu. Hudson. Oh merde. Arrache et à Trabzon en Turquie. Pas moi hein. C'est pas moi. Vous l'avez vu les gars, il est tombé tout seul. Oh non. Non mais il est tombé tout seul, c'est pas possible. On peut oublier Kassim. Quand est-ce qu'on mettra la main
sur Arrache. Il est tombé tout seul. L'équipe est arrivée en Turquie. Les gens, je vous promets, il est tombé tout seul. Il devrait bientôt être en position. Non, parce que je veux bien être une personne méchante, mais pas à ce point-là quand même, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, s'il a le dos qui glisse, c'est pas ma faute. L'aérodrome est droit devant. C'est pas le même mec que dans, dans Modern Warfare, lui ? Attendez, mais j'ai l'impression de revoir les mêmes. Oh, t'as tué un mec ? Ça pour du blanc de poulet, mais ouais, non mais. Call of Duty, blanc de poulet, quoi. Non mais s'il vous plaît. Les gars, non mais on va en Turquie pour récupérer du blanc de poulet, les gars. À la base, les copains. Vous croyez que le blanc de poulet, il est dans cet avion ? Passez à vos jumelles, ok. Je regarde. C'est bon, j'ai les jumelles. Ok, je vois 1, 2, 3, 4, 5 personnes, d'accord. 6 personnes, les gars. Ok. Ok, 7. Il y a 7 personnes. Les copains, il y a 7 personnes, d'accord. Écoute-moi bien. T'as de beaux yeux, tu sais. Il y a un véhicule à gauche. Est-ce que le focus peut se faire? Ouais, ok. Surveille-le, mais ça... Ouais, je le surveille, je le surveille. Ouais, je... Arrache, je peux pas la pute. Ah, merde, ok. Attends, je zoome encore. C'est bon, je peux plus zoomer. J'arrive pas à voir sa tête. Bah attends, il va peut-être se retourner. Il vient de buter tout le monde dans la bagnole. C'est forcément Arrache. Non, sans déconner, j'ai remarqué qu'il avait tué tout le monde dans la bagnole, frère. Oh. C'est notre homme. Passer au fusil de précision, bien sûr, bien évidemment, fusil de précision. Moi, j'ai tiré au fusil de précision. Oh merde, attendez, j'ai un problème. C'est lequel qu'il faut que je tue? Hop là, ça dégage. En avant Guingamp. J'ai tué le mauvais. Bon, après, je me dis quand même que c'est potentiellement fait exprès. On arrête cet avion. Vite, avant que l'avion décolle. Faut qu'on arrête cet avion. Ok, no problème. C'est un allié. J'aime pas cette arme, on va changer d'arme. T'as pas une arme, toi? F. Fais-moi, j'ai une arme. C'est un allié. Ah, qui me tire dessus, là? Allez, en avant, Gagan. Allez, avance. C'est un allié, ça, ou c'est des ennemis? C'est des ennemis, ça. Pardon, excusez-moi, je me trompe à chaque fois. Je vais recharger un jour, ou pas? Ah bah ça dégage. A droite, y'a quoi à droite? A ma droite ou à ta droite? Mais ils sont devant. Je comprends rien. La scène des confs. Quelle scène des confs? Oui, la scène des conférences, oui, tout à fait. Maintenant que... les copains, ok. À partir de maintenant, je suis un warrior. Ok, je vais jouer la petite voiture et c'est parti. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais déjà pété un truc. Ok, c'est parti. Oh merde. Oh là là, c'est dangereux. On passe en dessous. Oh là là, quel boss. On fait des zigzags, Mario Kart. Oh non. Mais non, mais il m'a roulé dessus. Mais... On va se voir, un dedans. Mais dégage-toi. Dégage. Allez, c'est parti. Oh là là. C'est bon, j'y vais. Je passe en dessous de la voiture, regarde. Oh là là. Passe. Bouge les vents. Oula. C'est bon, je suis dedans. Oh, j'ai raté. Ah non, c'est bon, ok. Du coup, je m'avais raté par... Faut que je tire. Ah non, c'est bon, c'est mort. Voilà, lui, il a cru que l'avion, c'était un tremplin, frère. T'es pas dans ma carte. Ah. Oh là là, c'est dangereux, ça. Attends, mais j'ai l'impression qu'il tombe au ralenti, mais... Oh là là, c'est dangereux, ça. Et moi, je m'inscrirai jamais dans... Quoi, c'est une sortie scolaire?
Wesh. Wesh, mon pote. T'aurais dû libérer les otages pour que le pouvoir encore. On va le tuer quand même. Les otages. Mais les otages n'ont qu'une importance. Son plan est déjà en marche. Vous ne pourrez pas l'arrêter cette fois. De qui tu parles? Perseus. Foutaise. Merci. Ah, mais non, je suis mort. Depuis tout ce temps, vous n'avez donc rien compris. Perseus va brûler l'Occident. Mais tout ça parce qu'il veut manger du blanc de poulet, mais ça n'a aucune cohérence. Pourquoi il voudrait brûler l'Occident pour du blanc de poulet? Je comprends pas. Mais la synopsis de ce jeu est incompréhensible. C'est qui ça, Perseus? Même moi, je me demande. Oh là là, je suis mort zéro fois, des fois je m'impressionne. 1943. Wow. Des informations relatives au projet Manhattan sont dérobées à Los Alamos par l'espion russe surnommé Perseus. 1968, guerre du Vietnam. Les soldats Viet Cong à la solde de Perseus tentent de voler une bombe nucléaire américaine en infiltrant une base. Il y a 5 jours, lors d'une mission, nous avons découvert que Perseus était de retour et prêt à attaquer l'Occident. Perseus, les analystes de la CIA le considèrent comme la plus grande menace au monde. Monsieur Hudson, on connaît tous ce Perseus. Mais on sait qu'il tient plus de la légende. En fait, personnellement, je crois qu'il s'agit plutôt du croque-mitaine des Russes. Général Haig, laissez-moi vous présenter l'homme le plus à même de vous répondre. L'officier des services secrets de la CIA, Russell Adler. Il est l'une des rares personnes à avoir failli capturer Perseus. Monsieur Adler, pourquoi faudrait-il prendre la menace de ce Perseus au sérieux? Pas besoin, monsieur. Ouais, il y a un paquet d'innocents qui vont mourir. Pourquoi dites-vous ça? Monsieur, chaque fois que Perseus est entré en jeu, l'équilibre de la guerre froide a basculé. Après 13 années de silence, s'il est actif, quelque chose de gros se prépare. Quelque chose qui touchera le monde libre. Monsieur le Président. Monsieur... Ah, c'est Bidon. Monsieur le Président, voici Jason Hudson et Russell... Oh, je les connais. Fait, là. J'ai même approuvé leur récente mission. Oh là là, il a la classe même dans les jeux vidéo, Monsieur Bidon. Oui, monsieur, nous le pensons. Pouvez-vous stopper Perseus? C'est possible. J'ai d'ores et déjà mobilisé mon équipe. Monsieur, ces demandes sont très inhabituelles. Et sans doute illégales, si la presse découvre tout non, ça... Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous savez qui on est? Chacune de nos missions est illégale. Sergent Woods, notre activité repose sur la notion de déni plausible. Ah là, on veut empêcher une attaque sur les hommes et les femmes du monde libre. Donnez tout ce qu'il veut à Monsieur Adler. Messieurs, vous avez une mission importante. Protéger notre mode de vie lui-même d'un immense danger. Aucun devoir n'est plus important. Aucun honneur. Peu de gens connaîtront votre rôle, mais soyez-en sûrs, le monde libre tout entier en bénéficiera. Je sais que vous n'échouerez pas. Oula, c'est quand même beaucoup sur ma conscience, là, monsieur le président, quand même. Je sais pas si je vais assumer, hein. 5 semaines plus tard, dis donc. Ici Hudson. Hudson, est-ce qu'ils ont déjà commencé? Ça devrait plus tarder. Adler est à Berlin-Ouest. Il devrait bientôt arriver à la planque. Tu lui fais confiance? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, Black. Et pour son équipe? C'est un bon groupe. Il a trouvé Sims et Azoulay. Il a même obtenu du MI6 Cassoulet. Pour lui prête Ellen. Attends, entre Blonde Poulet et Cassoulet, là, c'est bon, quoi. On fait une salade. J'ai des doutes concernant Park. Adler et elle ont déjà travaillé ensemble. Alors il la veut dans l'équipe. Et la recrue? Belle. Je préfère pas en parler. On a intérêt à rester vigilants. C'est qui, Belle? C'est nous? Moi, je sais pas ce que c'est nous, hein, mais bon.
Quoi, c'est moi ça? Ah, c'est moi ça! Ok, alors prénom. Lieu de naissance. Asie. Teint de peau. Tech. The fuck. Homme. Ancien du KGB. Loup solitaire. Comportement agressif. Confirmé. Je suis un malade, moi. Je suis un gueudin. Moi, je vois des gens, je les mange avec une cuillère. Belle. Bienvenue à Berlin-Ouest. On doit faire notre boulot. Park. Adler. Qu'est-ce qu'elle fait là, Joanne Jett? Belle. Ok, c'est à moi de bouger là? Excellent. On capte de plus en plus de discussions chez les Russes depuis 48 heures. La CIA et la Défense contactent leurs sources pour en savoir plus. Mais pour l'instant, aucune piste concernant Perseus. Le MI6 aussi est rentré les mains vides. Oh là, t'es vachement proche de moi toi, ma cocotte, hein? Éloigne-toi. On va retourner ici, au Vietnam, en 1968. On avait pour ainsi dire frôlé Perseus. Merde. Au fond de moi, je savais qu'on n'en avait pas terminé avec cette mission. Sors tout ce qu'on a sur l'attaque de Da Nang et montre ça à Park. Elle croisera nos infos avec le MI6. On cherche des noms de code, des transmissions cryptées, des activités russes en lien avec la NVA. Tout ce qui pourrait être une piste. Compris. Et moi, je fais quoi? Belle, c'est à toi de jouer. Ah, c'est à moi de jouer. En tant qu'ex-KGB, j'ai pris un risque en te recrutant, mais on avait besoin de penser comme eux. Et il va falloir recommencer. Ah ouais, d'accord. Après, l'histoire, elle change un petit peu en fonction de ce que tu mets sur les trucs. J'ai mis de la merde. Oh non. Voilà. Z, tableau d'épreuve pour sélectionner la prochaine mission. Merci, agent. Ok. Tableau d'épreuve. Utilisez le tableau d'épreuve pour sélectionner la prochaine mission. Rejouez les missions précédentes ou inspectez l'épreuve lorsque vous voyez cette icône. C'est qu'une nouvelle preuve est disponible pour vous aider dans votre prochaine mission ou autre. Très bien. Très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ah oui, putain, il y a des trucs à lire. Il y a des trucs à lire. Oh là, ça fait beaucoup de trucs à lire, ça, pour un jeu où il faut tuer des gens. Inspectons la photo. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis tout ou un peu la flemme de tout lire? Oh là, ça fait quand même beaucoup de lecture. Ouais, on va pas lire. Hein. C'est bon. Démarrer. Au cours d'une enquête sur les activités soviétiques au Vietnam, l'équipe SOG de Russell Adler a défendu une base américaine contre une attaque surprise de Viet Cong appuyée par Perseus. Perseus visait un dispositif militaire caché au sein de la base Ripcord dans le cadre de la mission secrète dramatique Fracture Jaw. Allez, let's go. Ok, Belle. On retourne au Vietnam. La première fois qu'on a entendu parler de Perseus, c'était fin janvier en 68. On avait combiné les forces de la CIA et du SOG au sein du 3e régiment de Marines près de Da Nang. Le SOG était là pour flairer les soviétiques. On racontait que des agents russes opéraient dans la région. Perseus n'avait pas de présence établie au Vietnam. Ça a changé à Da Nang. Perseus a appris l'existence de l'opération Fracture Jaw. Fracture Jaw. Ça avait bien dérapé. On est parti du camp à Skits. Ouais, jamais j'oublierai ce toit. Bien, on a besoin de ces souvenirs. Aucun détail n'est insignifiant. Les visages, les noms. On cherche tout ce qui pourrait nous conduire à Perseus. Ouais, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Peut-être, mais l'aiguille vient quelque part. Souvenez-vous, on avait une mission. Ok. Fracture Jaw. Ah, j'ai froid. Comment ça se fait que j'ai froid en ce moment? C'est pas possible, ça.
Belle. Oui, c'est moi. On se réveiller. C'est le moment. C'est moi, on vient de pousser ma jambe là. Toi, tu vas prendre une patate dans ta gueule, gros. La file ma mère. Bienvenue pour une nouvelle journée au camp Askins, notre petite oasis au milieu de cette putain de tempête de merde. Tu crains rien ici. Hey Butcher, et ton bras? La douleur est horrible, mais au moins je peux le bouger. Mais donc, il y en a des hélicoptères, ils savent pas quoi faire ou quoi? Montez dans l'hélicoptère. Je vais m'outiller de l'hélicoptère. Hey Sims, tu sais que tu vas finir aveugle à force de lire ce truc? Ouais, c'est pour ça que je veux tout retenir. Belle, avec Sims, faut former une bonne équipe d'habitude. Ouais, non, pas très convaincu. On a une nouvelle mission. Maintenant, je vous rappelle, monsieur. La dernière fois, il a mangé mon. Non, pour okay. Lui. Non, mais ok. De quel genre de colis est-ce qu'on parle au juste? Le genre qu'on doit pas connaître. Ripcord a pris un sacré coup sur la tranche. Alors, c'est à nous de trouver le colis et de foutre le camp. Du calme, on aura des avions de combat en soutien aérien pour cette mission. Ah, sinon, j'ai pas répondu à la question de tout à l'heure. Je suis désolé par rapport au fait que vous m'aviez demandé pourquoi je comptais acheter plus de jeux PS5. Que de jeux PC durant cette gen, tout simplement parce que les jeux demandent de plus en plus de performances et en fait j'en ai marre de racheter des composants pour le PC pour pouvoir vous proposer des jeux dans la meilleure qualité qu'ils soient à chaque fois. Donc là j'ai mis 32Go dans le PC et je suis en train d'hésiter à si je prends la 3080 ou pas. À la base c'était prévu d'acheter une 3080, sauf que vu que je prends la PS5, je me dis ça sera peut-être pas forcément nécessaire, autant étant donné que j'ai une carte de capture pour la PS5, autant prendre pas mal de jeux sur PS5 et prendre seulement ceux que je veux sur PC, comme ça au moins, enfin ceux que je veux et ceux qu'on... qu'on me donne également sur PC, comme ça au moins je suis tranquille à ce niveau là. Donc bon voilà, je réfléchis hein, mais je pense que je vais prendre potentiellement plus de jeux console pour cette gen que de jeux PC, voilà, tout simplement. C'est vraiment la galère en fait le PC quand tu veux stream, parce que il faut vraiment un PC de bâtard si tu veux faire les derniers jeux, etc. Enfin, c'est un enfer quoi. Comment on me tire dessus là? Allez, ça dégage. Ça dégage. Ah putain, il tire de je sais pas où, frère. On y va. On laisse pas bébé dans un coin, mon frère. Allez. Sur de toi, Adler. T'es juste loin des pics. Votre priorité, c'est de récupérer les infos. Ok, je récupère des infos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des infos? Y a-t-il quelqu'un qui aurait des infos? Je comprends pas. Y a personne qui me répond. Personne me répond. Quelqu'un aurait des infos, s'il vous plaît? Non. Pourquoi il y a des gens qui me tirent dessus là? Pourquoi vous me tirez dessus? Je suis venu en ami. En fait, genre. C'est mon pote ça, je me tire dessus. À la base j'étais venu en pote. Arrêtez de me tirer dessus quoi, je veux dire. Qu'est-ce que ça vous apporte de me tirer dessus? Rien, bah rien. Moi non plus ça me rapporte rien de vous tirer dessus. Mais vous me tirez dessus vous-même, avant moi. C'est pas gentil ça. Est-ce que moi je me mets à vous tirer dessus avant moi? Non? Avant vous? Avant nous? Voilà, bah ouais, bah vous m'avez cherché les copains. Je croyais qu'on était potes, moi. Je croyais qu'on. Oh, pourquoi on peut pas faire ça sur le multi, frère? À la place de donner des coups à la con.
Y'a un mec là. Tech, c'est mort. Je me planque. Vas-y, je cours là-bas. Hop là, petite glissade. Où c'est où les ennemis? Y'a un mec à ma gauche. Droite. Hop, tiens, prends ça dans ta face. Merde. Je te neutralise, hein. Je suis désolé, mon poireau. Allez, hop, ça dégage. Après, on fait un sondage pour savoir à quoi on joue ce soir. Salut, toi. Hop là. Oh, oh merde. En fait, je rush trop. Venez, on rush pas. Votre priorité, c'est de récupérer les infos. Ça rush beaucoup trop aussi, là. Grenade. Oh, oh merde. J'ai raté le jet de ma grenade. C'est pas grave. Tire sur un mec, il meurt pas là. Après moi j'y peux rien aussi s'ils prennent pas leurs balles les mecs. C'est bon, vous êtes tous morts? Ouais, c'est bon. Hop, là, toi t'es mort mon pote. Tiens. Là je suis déjà devant. Alors je veux dire, à partir du moment où je suis déjà devant, me dis pas de passer devant. Il peut être mon con lui. Alors j'ai vu des... Tic. Ouais, j'ai tendance à rester sur le bouton... Il est où? Il est où? Il y avait un mec là il y a deux secondes. Planquez-vous, on s'occupe de tout. Hop là. T'es mort mon pote. Hop là, nickel ça. Allez, on avance. Zéro, tu me suis? Tu me suis mon poteau, c'est là. Faut que je recharge. Oh bah, en tout cas il me suit mais il vise pas, hein. Ça c'est sûr et certain. J'ai l'impression qu'il y a que moi qui vise dans ce jeu là. Ah ah, on me saute qui me tire. Mais y'a personne gros, je prends des dégâts pour quoi là. J'ai marre. Ah mais salut toi. Salut toi. Non mais je vous jure. C'est des ninjas les mecs. Oh là là, comment j'ai dû niquer. Oh, salut. Prends les jeux multi sur PC et les gros jeux solo sur console. Je pense que je vais faire ça tout à fait, oui. Il y a moyen que je fasse ça. Hein. Comme chercher une aiguille dans une... Mais le seul gros jeu que je vais pas prendre sur console, ce sera Resident Evil 8 Village. Parce que je le veux sur PC. Les Russes sont là. C'est sûr. Les deux corps que je regarde n'ont vraiment pas l'air vietnamiens. Franchement, ouais, ils ont pas l'air trop vietnamiens. Hein. Belle. Enfin, après, ils ont un masque, mais je prends le registre. Ok. Je prends le registre. Après, ils ont un masque, donc je peux pas vous dire, monsieur, s'ils sont vietnamiens. Mission accomplie. On a les infos. On se tire. Bravo, lâchez pas les infos. On arrive pour vous ramener. Je les lâche pas. Je les mets dans mon fut. Ok, on va rejoindre l'armada et mettre la main sur le colis. Ok. C'est qui le colis? C'est moi? Ok, mon pote. C'est bon, ils sont morts. C'est bon, il est mort. Qu'un problème. Grenade. C'est bon, genre c'est une grenade, on sait jamais si y a un mec qui arrive. Ok, bah y'a personne qui est arrivé. On est en route, Ripcord. Préparez le transfert du colis. Montez dans l'holocopter. Salut. On va protéger le colis le plus longtemps possible. Ripcord terminé. Déjà?
Oh, c'est à moi de conduire. On a décollé. Mayday. C'est parti, c'est parti. Qui conduit? Je sais pas comment on monte, mais en tout cas, sachez une chose. C'est que je me suis jamais crashé en hélicoptère. Suffit de voir... sur Call of Duty Warzone. Ah, Mayday, on a un problème. Mais ça, j'en sais rien, gros. Depuis quand ils ont des hélicoptères, c'est vrai ça? Quel hélico? Oh là, quel enfer. Putain, c'est tout raté. Allez, hop, ça dégage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je prends autant de dégâts? Oh là là, quel plaisir! Je suis en train de rentrer dans les fougères, je répète, je rentre dans les fougères. Utilisation des missiles autorisés pour l'agent Percy. Pas volonté! Où est le dernier? C'est bon. On a plusieurs cibles terrestres. Contrôleurs, Ben. On voit bien sur la route. Détruis ces camions de ravitaillement, ce sont eux qui arment l'ennemi. Quel camion? Je pré-shot un peu, mais je pense que j'ai pré-shot un peu vite. Ripcord, ici Punisher 9-1. Il faut que vous repoussiez les renforts des viennes, sinon on va être submergé. Je vous préviens, on a plusieurs appareils en vol. Ah, faut que j'aille là-bas, Je les allume. Oh, c'est plutôt simple, hein. On va tirer une balle, ils sont morts. Qui me tire? Oh, je les ai ratés. Ouais, c'est bon ça. Oh, j'arrive pas à faire demi-tour. C'est la galère. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait les modes solo des Call of ou pas du tout? Ah, faut que j'atterrisse, moi je suis en train de leur tirer dessus. Bien reçu, Ripcord. Badger 9-1 en descente. La base est toujours sous le feu ennemi. Méfiez-vous. Bien reçu, Ripcord. C'est vous, Adler? Du Mac Besson? Ouais. Bougez, Volkue, allez. Oui, chef. Merci. Ne remerciez pas. C'est bête. C'est lui qui vous a rapporté un petit donne potin des renseignements russes. Allez, vite. Bonne chance, commandant. Pour plus clair, tu te fous de ma gueule, Adler! C'est une sécurité, pas besoin d'en savoir plus. On est déjà désespérés. Pas encore. Retournez au camp Askin. Oh shit! Oh là, c'est mis en exploit, c'est la merde. Bah voilà, bah super. Hein. Bah ouais, on prend une bombe nucléaire et on se fait exploiter la gueule. Alors, que quelqu'un protège la bombe nucléaire de son corps. Personne? Ok, on est mort. Perseus était au courant. Sims, Belle, tout va bien? Ouais, ça va. Belle, arrose-les avec la tourelle avant qu'on... Attendez, je vois. Attendez, je bois! Non, par contre. Vous avez besoin de me faire tuer maintenant. Alors que c'est totalement pas logique de me faire tuer sur ça. Où est-ce qu'il y a encore des gens? Mais quoi? Mais je suis mort? Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. On a besoin de soutien! Belle, à toi de jouer!
prends une arme, les laisse pas nous approcher. Je les laisse pas vous approcher, vous inquiétez pas monsieur. Je vous promets monsieur l'agent. Vous aurez pas mon blanc de poulet. C'est le mien. Grenade. Vous avez personne. J'en sais rien. Recharge, recharge, recharge. Oh là là, mes gens. G. C'est bon. Recharge, recharge, recharge mon général. Ils sont à gauche, ils sont à droite, il y en a partout mon général. Grenade. Mon général, un jour faut leur tirer dessus, hein, faut pas me laisser tout tuer. Mon général, je crois que je suis mort. Belle. Toujours avec nous. Oh, c'est bon, je suis là. Oh putain, il y a encore d'autres gens. Ah non, c'est bon. Par contre, on est vachement proche quand même. Non. C'est peut-être moi, hein. Oh là. Ah non, c'est un allié, c'est bon. Très dur la chute, hein. Très très dur. Le mec, il a une pipette accrochée à son casque, c'est normal. Au moins la bombe a pas pété. Tu m'étonnes qu'elle a pas pété. Mais surtout, on a des infos sur Perseus. Bah, t'as vu, t'avais dit qu'on avait une mission. On a failli galérer, on a failli mourir. Loin de là. Failli mourir quand même. C'est compliqué, hein. 4 heures plus tard, putain, ils aiment bien mettre des trucs 4 heures plus tard, 12 oui. heures plus tard, 25 heures plus tard. Bien, en croire Adler, ça fonctionne. Tu vois les renseignements cryptés. Bell les avait vus au Vietnam et a presque fini de les décoder. On y a trouvé quelque chose. Quelques noms, apparemment. Des pistes possibles. Park essaie de trouver un lien dans tout ça. On n'a pas beaucoup de temps. L'équipe. Oh, il est déjà 20h22. Est-ce que ça vous dit qu'on fait un sondage pour savoir non, ce qu'on mais fait ce soir? Si on lie à l'un des noms que Bell a trouvé, ils vont vite comprendre. Mais ça n'arrivera pas, Hudson. N'en dis pas plus que le strict nécessaire. C'est pas le genre d'erreur que je ferai. Planque E9 de la CIA. Dylan Durban. 24 juillet ou février, je sais pas, j'ai pas vu. Anton Volkov. D'accord. C'est un trafiquant d'armes russe qui travaille à Berlin-Est. Pour tout avouer, ses liens avec Perseus sont surprenants. On a pour ordre de tuer ou capturer Volkov. Si on peut pas trouver Perseus, on cherche ses hommes. On lui coupe ses ressources. On le force à se montrer. Mason et Woods terminent ce qu'ils ont à faire à Kiev. Ce qui veut dire que Volkov est pour nous. Équipez-vous, et on y va. Ouais, attendez, avant qu'on commence, je vais lancer un sondage pour savoir ce qu'on fait ce soir. L'UNSIS traque Volkov depuis plusieurs années. Je recommande vivement d'essayer de le capturer plutôt que de le tuer. Il détient de nombreuses réponses à nos questions. Votre préférence a été notée, agent Park. Nickel. Bon, j'ai lancé un sondage du coup pour savoir ce qu'on faisait ce soir. Alors, en plus des prochaines missions, les missions secondaires optionnelles Opération Red Circus et Opération Chaos ont été déverrouillés et sont désormais disponibles sur le tableau d'épreuve. Ça ira. Alors comment je sais? En fait, je peux les faire dans... Ah non, mission suivante. Allez. Ouais, mais il y a trop de trucs. Incroyable. Démarrer la mission. Pendant la vidéo, je vais aller chercher ma veste parce que j'ai froid. Volkov dirige la mafia russe qui a rejoint Berlin-Est à la construction du mur en 61. Ce type a des contacts avec des cartels dans toute l'Europe et aux Amériques.
En le neutralisant, non seulement on frappe Perseus, mais aussi toute l'organisation. C'est un grand pont. Et voilà notre gypsy, Franz Kraus. D'après le MI6, c'est l'un des informateurs de Volkov. Il doit d'ailleurs lui livrer des renseignements demain soir. On va infiltrer Berlin-Est par le métro. Une station abandonnée de l'autre côté du mur donne sur un point d'accès. De là, on attend que Kraus entre dans la ville. Quand Volkov se pointe, on le capture ou on le tue. Y a pas de sondage ou alors je suis aveugle. Non, je me suis pas. On vient de passer sous le mur pour entrer à Berlin. C'est vrai ça, le sondage il s'est pas lancé. The fuck. Bah il s'est lancé mais pas bien. C'est bon. Et normalement le jeu, le sondage s'est lancé. Ok, autant pour moi, on peut y aller. Bonjour, excusez-moi, je n'ai pas pris mon ticket de métro. Ah, salut toi. Dès que le train ralentit, toi et moi on saute. Ah non, moi je saute pas. Hein. Non. Allez. Non, je saute le pas du... ralenti, c'est à nous de jouer. Mais je saute pas du métro, moi. Allez, c'est parti. Non. Bon, d'accord. Mais vraiment, parce que je suis payé. Hein. Mais sinon, je n'aurais pas... Aïe. Oui. Les gardes est-allemands patrouillent encore dans ces vieilles stations. Mais non, mais il y a des métros qui passent. Il y a pas des gens qui se baladent, quand même. Patrouille droit devant. On peut se servir du train pour couvrir notre approche. Oh, putain, quel boss. Il est où mon mate là? Il est là-bas. Il y a du monde sur la plateforme. Discrètement. Doucement. Ok, j'avance. Y a pas de sondage ou alors je suis aveugle. Mais si, il y a un sondage. Bon, sinon, je vous mets au pire, hein, ça va être plus simple. Hein. Tu lis un vieux message? Comment ça je lis un vieux message? Prends cette échelle. Et puis il lit deux fois le même message. T'as déjà lu ce message? Ouais, je le savais, hein. Attendez, franchement... Je le savais que j'ai un vieux message, quand même, pour qui vous me prenez. Hey, merde. Il faut ruser. Je suis cheminot. Je vais vous montrer mes papiers. C'est une zone interdite. Vous êtes en état d'arrestation. À terre. Stop. Un peu de calme. Je suis certain qu'on peut s'arranger. Ici. Maintenant. Qu'est-ce que... Voilà, j'ai l'impression de d'être un boss en fait. Ah, faut cacher le corps. Comment on fait? F. Comment je cache le corps?
pas vraiment l'impression que... On devrait bientôt atteindre le poste frontière. Faut qu'on monte sur le toit. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, on monte sur le toit. On monte sur le toit. Sur qui? Sur moi ou sur toi? Park, Lazare, on est presque en position. Oh la blague. Oh la blague. Oh l'humour de malade. Oh l'humour de malade. Oh des fois je m'impressionne. Fais gaffe au projecteur. Ok, ok. Ok, tu sais quoi, au pire on avance comme ça frère. Ils font pas les choses à moitié, faut le reconnaître. Wow. Wow. Frère, y'a le proche qui me regarde, c'est normal ça ou pas? T'en bats les couilles lui. Il est parti où? Surveille bien le poste frontière. Je surveille le poste. Plutôt tardé maintenant. Le poste frontière. Cherche Kraus avec l'appareil. Mais quel appareil? Oui. Moi. Merde. La sécurité a encore été renforcée. S'ils arrêtent Kraus, il va rater son rendez-vous avec Volkov. Parle de quoi frère? Je comprends rien. Poste frontière, le type avec la mallette, c'est pas lui. Mais où ça? Cherche encore. Dégueulasse dans son truc. C'est quoi, c'est des bagels, c'est des serpents? C'est dégueulasse gros. C'est pas Kraus. J'ai même pas vu les Kraus gros. Négatif. T'aimes bien où il est frère? Il lit deux fois les mêmes messages. Bon, du coup, Call of Cold War et Black Sad, ils ont gagné, donc on fera un pile ou face tout à l'heure. Sinon, rien à voir. Je comprends pas, gros. Non. Mais je comprends pas, gros. Ah, lui. Bien joué, c'est bien lui. C'est Kraus. C'est Kraus. Suis-moi. J'entends son bruit. Ah mais non, moi c'est dangereux, gros. Moi je prends l'échelle. Park, Kraus vient de traverser. Vous en êtes où? Lazare et moi, on attend votre arrivée au point d'exfiltration. Bien reçu. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît, gros? Moi je suis tellement con, j'arrive pas à ouvrir une porte. Non mais c'est... Enfin, ça peut dire à quel point je suis nul en fait. Selon nos sources, Kraus et Volkov se retrouveront dans le bar, juste en face. Ce bar là. Bonjour, excusez-moi. Bonjour messieurs dames. Comment ça veut bien se suivre? Est-ce que je peux avoir une piquette s'il vous plaît? Bonjour madame. Monsieur, excusez-moi. Bonjour madame. Ben, cherche un parapluie bleu. Ah, parapluie bleu. Je vais là-bas. C'est bon, j'ai compris. Où t'as mis l'argent? Enfin, je suis ravie de vous voir. Kraus est à la table derrière mon épaule droite. Mon épaule droite? Quelle épaule droite? Ah, tac. La deuxième ou la première épaule droite, je crois. Waouh, trop bien. Hudson ne m'a pas dit grand chose. C'est bien Volkov que vous voulez? Arrête de parler. L'un de mes informateurs s'est fait prendre lors d'un contrôle. Ils l'ont arrêté pas très loin d'ici. La Stasi doit sûrement s'attendre à en trouver d'autres. J'ai une faveur à vous demander. Il ne tiendra pas longtemps sous la torture. Vous devez le sauver. Ou le faire taire. Ils le retiennent ici. Dankeschön.
Crevez l'informateur et réduisez-le au silence. On va peut-être le réduire au silence. Mais si on le sauve, si on le réduit au silence, ça veut dire qu'on doit le tuer ou ça veut dire qu'on doit, on doit lui faire comprendre qu'il doit fermer sa gueule? Qui sait, c'est pas la même chose. Un vrai fantôme, mais je dirais un jour tout au plus. Regarde, Belle, je crois que Volkov arrive. Ah, Volkov arrive. Volkov arrive, ma cocotte. Oui, toi t'es ok. Pas peur là, madame, elle a pas peur. Je vais aux toilettes. Oh là là, j'ai une très grande envie en fait, tout d'un coup. On change. Rendez-vous devant chez Kraus. On finira par donner à Volkov. Hop là. Cachez-vous pour éviter de vous faire repérer. Pourquoi dans un jeu comme ça, il y a de l'infiltration, on en parle ou pas? Rejoins Lazare et Park sans moi. Je vous tiens au courant. Qu'est-ce que c'est de connerie? Comment ça marche? Oh là. Fais gaffe, Ben. La Stasi est partout. Ich tue Ihnen nichts. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Un mec devant moi, là où je rêve. Et qui, toi? T'es plus de balles dans celui-là. Rejoins-moi dans le bâtiment en face de ta position actuelle. Tu l'as remarqué, on a déjà assez de problèmes. Pardon, excusez-moi, je voulais pas faire ça. Tata la tata, il a beaucoup bu le monsieur, il faut que je l'amène chez lui. Là, il devrait. Il devrait aller là. Yo Ron, comment ça va? Ok. Et là, il y a l'informateur à 12 mètres. Il prend rien, gros. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas fonctionner, bordel de merde! Prends rien. Je prends pas. Ah, d'accord. Qui part? Qui part? Un allié? Que je bute? C'est bon! Je vous l'ai dit.
Je ne suis pas qui vous croyez. Vous... J'ai vu votre photo. Ils sont à votre hausse. Je vais pas trop me spoil, je te laisse la vue. Yes, ça en a un problème. En train de surveiller une des planques du KGB et je sais pas ce qui m'a trahi. Écoute-moi bien, Justin Bieber. À partir de maintenant, tu vas te calmer, d'accord? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Il faut pas leur faire confiance. Je sais même pas de quoi vous me parlez. Pitié, je veux juste aller retrouver mes enfants. Non, me tuez pas! On le sauve ou on le bute? J'ai envie de le buter. J'ai envie de le buter! J'ai le pétain qu'un! Non, me tuez pas! Regarde pas. Eh ben, on a eu chaud. Il a failli nous balancer au mec, à nos ennemis les plus sincères. Imaginez. Oh sa mère. Si je m'allonge comme ça, vous pensez qu'il me voit? Si je le bute. Oh. Ah, il m'a vu? Impossible, gros. Vite. Laissez-moi rentrer. J'arrive, c'est la merde dehors, laisse-moi rentrer. Je crois que tu t'es pas fait repérer. Non, moi non plus. Par ici. Ah bon ? Mais ferme la porte ! Ruin Grid ! Faudrait pas que les riverains nous dénoncent. Ah bah oui, complètement, faudrait pas que les riverains nous dénoncent. Mais déjà, pourquoi il y a de l'infiltration dans un jeu de guerre ? Écoute-moi ! J'aimerais que tu me parles un petit peu là, plutôt que de passer à côté de moi sans rien dire. Ça va pas le faire ça, d'accord? Dans le magasin d'électronique directement en face de chez Krauss. Oh merci de me pousser, oh, ça me fait plaisir. Et lui rapporter une knappe fourse de chez Grunbar, mais c'est déjà fermé. Parquez là, droit de vous. Parc? Ah oui, c'est vrai que le parc est là, droit devant. On est là. Une voiture s'est arrêtée devant chez Krauss il y a quelques minutes, mais je ne pouvais rien voir. Juste une seconde. Krauss est au téléphone. Je connais la procédure. Personne ne m'a trouvé. Belle, surveille bien Krauss. La mallette est en sécurité. Elle ne me passe plus tout le monde. Tout est corps. À quoi tu penses, Lazare? On dirait que Volkov veut la mallette de Krauss. On devrait y mettre un tracker. Il nous conduira droit à Volkov. L'un de nous peut s'infiltrer chez Krauss. Le plus dur, ce sera de les éviter, sa femme et lui. Belle et volontaire. Pendant ce temps-là, je vais m'assurer. Comment ça, je suis volontaire? Surprise, ah non, non, hein.
Non, non, j'ai jamais dit que j'étais volontaire. Ah non, 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 c'est mort. C'est mort, écoute, moi je me suis engagé, c'est pas pour faire de l'infiltration, d'accord? Donc maintenant, soit on part à la guerre, soit... Je m'écoute pas, c'est ça? Bon, bah j'y vais, c'est bon, j'ai compris. Toujours la même chose ici, de toute façon... J'avance tranquillement. Enregistre, enregistre, oui. Si Kraus ou sa femme te repère, la mission est foutue. Mais comment je reconnais si c'est sa femme? Eh bien, enregistre ici, non? Quelqu'un aurait vu un registre? Personne n'a vu un registre, non? Ok. C'est à quel étage ils habitent? Je tourne à gauche. Tu peux neutraliser sa femme si c'est nécessaire. Ah oui, je... Mais quoi? Kraus doit aller au rendez-vous. Je vais téléphoner chez Kraus. Vraiment? Faut que je neutralise sa femme? Non, mais c'est pas possible. Ah, je pense que j'ai compris comment ça marche. Bien joué. Maintenant, trouve la mallette. Ok. Allô? Ok, je suis dans sa chambre à coucher. Désolé, mais il n'y a pas je répète. Je suis dans sa chambre à coucher. Tolé hypodermique. Ah oui, d'accord. Je vais endormir, en fait. Votre ami ne se trouve pas ici. Souhait. Qui est... Elle était au téléphone. Elle va rester KO un moment. Termine la mission. Elle était au téléphone. Est-ce que quelqu'un est en... Enfin, je viens de... Elle vient de gueuler. Qui êtes-vous? Elle s'est endormie deux secondes après. Et elle était au téléphone. Est-ce que... Eda, tu sais où est mon parapluie? Je dois partir dans quelques minutes. Maman, j'ai perdu ma couverture. Mince, on a raté le gamin. On a raté le gamin de quoi? Comment ça, on a raté le gamin? C'est bon, j'ai caché la mère. C'est quoi ça, hein? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, j'ai compris. Eda, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ce bruit? J'ai échoué. Allô? Désolé, mais il n'y a pas de Freya ici. Ah, eh bien, putain, les phases d'infiltration, mon frère, là. Écoutez, votre ami... Eda, tu sais où est mon parapluie? Je dois partir dans quelques minutes. Oui, Franz, il est ici, dans le salon. Je te le mets devant la porte. Maman, j'ai perdu ma couverture. J'arrive dans 2 minutes, William. 2 minutes, William, bordel de merde. 2 minutes. On a raté le gamin. C'est bon, j'ai compris, tais-toi. Là, je peux pas ouvrir ça. Quoi, cette merde?
Là, je peux pas l'ouvrir. Pas dans cette salle. J'ai perdu le visuel sur Kraus chaque fois qu'il est entré dans cette pièce. Fouille partout. Tu n'as plus beaucoup de temps. Trouve la mallette. Je la cherche. Bon, je l'ai. Belle, tu as trouvé la mallette ? Compris. Installe le tracker et sors de là. Au secours ! Au secours ! À l'aide ! T'es qui ? Au secours ! Mais c'est notre pote ! Au secours ! Oh ! Nom de Dieu! Vous l'avez laissé entrer en douce dans votre appartement. Je serais incapable de vous expliquer comment il s'y est pris. Mais je voulais appeler. Un cadeau qui pourrait bien rattraper votre erreur. Perseus recherche cette personne depuis longtemps. Vous direz à Perseus que je l'ai capturé. Enfin. Perseus a mis une belle prime sur votre tête. Je me fous bien de vos questions. Fort malheureusement pour vous, il semble que vos amis ne soient pas vraiment au rendez-vous, camarades. Vous pourriez probablement m'être utile, mais pas dans votre état. Ah, il y a des gens au-dessus. C'est aussi bien d'abréger vos souffrances. C'est quoi ces conneries ? Ok, j'y vais. Éliminer ou capturer Anton Volkov. C'est parti, j'y vais là. On a mis ça quand c'est un ennemi. Oh là, il y a un mec là. Grenade. Mais. Cette merde, moi. Oh, mais y'avait un mec! Y'avait un mec à côté de moi, apparemment, mais je l'ai pas vu. Ok, j'ai tout raté. Non. Tu fais toi? T'attends quoi? Mais t'attends quoi ma cocotte? Mais. Ok. Je pense que c'est le genre de jeu, genre faut pas trop penser à ce que font les PNJ, je pense. Parce que elle, ça fait 10 ans qu'elle regarde sa mallette, ou frère. Un peu abusé quoi. Oh là, je vois plus rien. Mais quelque part, je le vois pas. Allez, on va passer par là. On va peut-être en voir davantage. Ok, y'a rien à manger ici, on se casse. Oh, genre. C'est pas grave.
Ah, il y avait un mec là aussi. Mais putain, mais c'est incroyable, mais quel jeu de merde! Si tu poursuis pas le mec, il s'enfuit quoi! Non mais vraiment! N'importe quoi! Ah, c'est un avis ça! Non mais vraiment quoi! Ah, c'est un allié! Ah, si tu poursuis pas les ennemis gros! Bah ouais mais... Mais casse-toi! Oula! Attends mais c'est... Oh merde! Fallait que je dise que... Oh non! C'est pas moi? C'est pas moi, il est tombé tout seul. Il est tombé, il regarde. Ça. Non, il est tombé. Un agent de Perseus. Pas moi. Vraiment? Je le voulais vivant. Mais c'est pas... Dans le feu de l'action, j'ai tiré, c'est pas ma faute. Il l'a mérité. Foutons le camp de Berlin Est maintenant. Les informations de Volkov confirment nos pires. Mais non, mais dans le feu de l'action, j'ai tiré, mais j'y peux rien. On ne peut pas en être certain. Toujours à critiquer, mais non. On a trouvé des coordonnées cryptées avec les infos de Volkov. Celle d'une zone inhabitée de la République soviétique d'Ukraine. Le survol du SR-71 a révélé ceci. Je veux qu'on me tienne au courant de tout ce qui se passe dans ce bâtiment. On aura besoin des autres. Woods et Mason nous rejoindront de Kiev. Belle, tu vas t'infiltrer avec Woods. Mason et moi, on s'occupera de l'extraction. Park, des communications. On n'a aucune idée de leur nombre ni de leur niveau d'entraînement. Alors restez discrets. Et ça fait le pile ou face. Non, pas encore. Il est 21h là, donc il on va le faire. Temps de jeter un œil derrière le rideau de fer. T'inquiète, j'y avais pensé, t'inquiète. Maintenant qu'il est 21h, on va faire le pile ou face. La pile ou face. Green light. Bull Gray 1981. La voie est libre, Woods. Bien reçu, Park. Tu gères les communications. Dis à Mason et Adler d'attendre. Elle veut vous lire. Aujourd'hui, j'envoie un message à ma mère. Je lui fais écoute, t'es censé avoir reçu un colis pour Noël. Que j'ai, enfin, bref, j'ai acheté un truc pour vous pour Noël. T'es censé le recevoir. Elle me fait non, il n'y a rien dans la boîte aux lettres. Je fais bah écoute, moi j'ai eu la notif comme quoi vous êtes censé l'avoir reçu aujourd'hui. Du coup, elle me dit non, il n'y a vraiment rien. Du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Je vais voir du coup sur Amazon, je regarde l'adresse de livraison que j'ai mis. Que fut pas ma surprise en revenant tout à l'heure, de voir dans la boîte aux lettres, du coup, les commandes que je leur ai faites. Voilà, j'ai littéralement acheté des trucs pour eux que j'ai reçus moi-même. Voilà. Voilà quoi.